Salut les rebelles intelligents, je continue mes réponses à vos questions, toujours en direct de Jericoacoara au Brésil. Là, je réponds à Julien qui me demande comment as-tu fait pour trouver ton Ikigai, un livre, une formation, méditation. Avec trois points d'interrogation, Julien, il est vraiment motivé pour trouver son Ikigai. Je rappelle rapidement ce qu'est l'ikigai, c'est un concept japonais qu'on peut traduire par raison d'être et qui se trouve au carrefour de quatre choses. Vous avez trouvé votre ikigai quand vous faites quelque chose pour lequel vous êtes passionné, avec lequel vous gagnez de l'argent, dans lequel vous avez des compétences et qui est votre mission dans la vie. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon ikigai, à savoir aider les entrepreneurs à créer, développer des entreprises qui soient au service de leur vie, hein. Et même pourquoi pas bâtir des empires tout en gardant un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Parce que je pense que les entrepreneurs sont des héros, qu'ils apportent énormément de valeur à la société, mais qu'il y en a aussi beaucoup qui se sacrifient, qui travaillent 70 heures par semaine et qui sont parfois profondément malheureux alors qu'ils apportent énormément de valeur. Et donc voilà, cet Ikigai, il est incroyable, il est magnifique, il me remplit de l'intérieur. Je ne l'ai pas trouvé comme ça tout de suite. Ma toute première boîte que j'ai créée à 19 ans après avoir quitté l'école à 18, hein, j'ai un bac -2 comme je le dis souvent, c'était une boîte d'informatique. Et l'informatique, c'était bien, mais ce n'était pas mon Ikigai. Parce que j'étais passionné par l'informatique, j'étais compétent dedans. C'était clairement un domaine qui permettait de gagner de l'argent, mais est-ce que c'était ma mission de vie de faire en sorte que les gens aient de meilleurs ordinateurs? Pas vraiment. Clairement, on pourrait dire que ça, c'était l'ikigai de Steve Jobs, mais que ce n'était pas le mien à moi. Et déjà, c'est la première chose que j'aimerais partager, c'est pas grave si vous ne trouvez pas votre ikigai tout de suite. Et c'est pas grave si votre premier business ou votre deuxième business ou votre troisième business, c'est pas votre ikigai, d'accord? C'est pas une obligation. Mais je pense que c'est un bon idéal à essayer d'atteindre, que ça peut être une excellente étoile du Nord et que c'est intéressant de l'utiliser pour se fixer des objectifs. Et au final, comment je l'ai trouvé cet Ikigai? J'ai pas suivi un livre sur comment trouver son Ikigai, ni une formation, et c'est pas en méditant non plus. En fait, je suis parti à chaque fois que j'ai avancé de mes frustrations. Quand j'ai décidé de quitter l'école à 18 ans et de créer ma boîte, je suis parti de ma frustration de « je suis pas heureux dans le système scolaire et j'ai envie de rentrer dans la vie active ». Alors attention, je dis que je suis parti de ma frustration, mais j'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi des tests sur le terrain, je vais y revenir. Et quelle est la frustration qui m'a amené à créer ma deuxième entreprise, celle que j'ai aujourd'hui et qui me permet donc d'avoir cette ikigai? C'était la frustration de ne pas avoir un bon équilibre de vie. Je travaillais 60-70 heures par semaine dans ma première entreprise, je prenais une semaine de vacances par an. Et j'avais beau adorer être entrepreneur, je trouvais que c'était pas très équilibré comme mode de vie. Et à chaque fois, j'ai utilisé ces frustrations, non pas comme source de démotivation, comme source de dépression, comme source pour me complaire dans la médiocrité, mais comme fuel, comme source de motivation pour aller à l'étape d'après. Et à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai eu l'idée, et l'idée est venue de tas de manières différentes, en discutant avec les gens, en lisant des bouquins, en me formant, en restant curieux et ouvert, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et surtout, une fois que j'ai eu l'idée et que j'avais bien intégré ma frustration, en faisant un test sur le terrain. Jamais j'aurais pris le risque d'arrêter l'école à 18 ans avant mon bac si je n'avais pas fait ce test qui me montrait que oui, il était possible pour moi de vivre, de gagner de l'argent avec mes compétences informatiques. Parce qu'avec un ami, on avait eu cette idée et on s'est dit, on va passer une petite annonce dans un journal d'annonce locale. On avait payé quelque chose comme 8 euros à l'époque et on a fait quelque chose comme 800 euros de chiffre d'affaires en un mois. Donc c'était rentable. Et pareil, quand je me suis dit, ok, je vais avoir un business au service de ma vie sur le web, je me suis pas dit, ok, j'arrête ma boîte, c'est bon, je vais lever 1 million d'euros et puis tant pis pour les risques, soit je réussis, soit je meurs. Non, je me suis dit, ok, on va mettre en place une petite expérimentation, on va voir si ça fonctionne. Et c'est là que j'ai créé mes premiers blogs Techno Smart Habitudes Zen qui n'ont pas fonctionné, mais aussi, au bout d'un moment, c'est là que j'ai créé mon troisième blog qui était le blog qui m'a permis d'atteindre le succès sur le web et qui existe toujours aujourd'hui, des livres pour changer de vie. Et c'est en faisant des livres pour changer de vie comme expérimentation que je me suis rendu compte que c'était mon ikigai d'aider les entrepreneurs. Et c'est ensuite, en moi-même me libérant grâce à l'entrepreneuriat fait de la bonne manière, en créant cette vie libre dont je rêvais, que j'ai réalisé que c'était aussi mon ikigai d'enseigner ça aux autres. Après, j'avais toujours ça au fond de moi. Moi, quand je découvre quelque chose qui marche, j'ai envie que tout le monde soit au courant. Je comprends pas comment les gens peuvent pas être au courant d'un truc qui fonctionne. Et quand je vois que c'est pas répandu, je prends vraiment mon bâton de pèlerin et je vais prêcher la bonne parole, tu vois. Et là, c'était pareil en fait. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir une entreprise au service de sa vie. C'est ce que je vais enseigner et c'est en le faisant que je me suis rendu compte que c'était vraiment mon ikigai. Donc au final, comment je l'ai trouvé? Pour résumer, partir d'une frustration, mais partir d'une frustration intelligemment, faire une expérience simple, efficace, qui ne demande pas trop d'argent, qui ne va pas disrupter ta vie pour tester l'idée, et puis explorer jusqu'à ce que tu trouves l'ikigai. C'est pas grave si tu ne le trouves pas immédiatement. Donc voilà comment
j'ai atteint mon Ikigai. J'espère que ça va t'aider pour trouver le tien. Et encore une fois, ne te mets pas trop de pression. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Même si ça n'arrive pas, au moins en allant vers l'Ikigai, tu devrais te rapprocher du bonheur et de la raison d'être. D'ailleurs, toi qui es là et qui regarde toujours, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu recherches ton Ikigai? Est-ce que tu l'as déjà trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé, tu l'as perdu? Un Ikigai, ce n'est pas forcément permanent pour toute la vie. Partage un petit peu ton expérience dans les commentaires, ça sera très intéressant. Je vais lire tous vos commentaires avec attention et ça permettra aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo pour trouver leur Ikigai d'avoir davantage de pistes et de réflexions. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent. Fais partie des gens qui utilisent l'Ikigai comme leur étoile du Nord pour se guider dans les ténèbres des projets et des désillusions et des motivations pour trouver vraiment ce qui allume la flamme en eux. Ciao.